une ambulance médicalisée, 25 respirateurs, 50 000 masques de protection et des blouses. Tous ces matériels constituent la contribution de la République de Turquie. Un appui qui, selon l'ambassadeur de Turquie au Tchad, permettra de faire face à la propagation de la COVID-19. Aujourd'hui, le domaine de la santé est primordial pour tous les pays. Dans ce sens, nous ne pouvions pas laisser seul le peuple tchadien et le gouvernement du Tchad dans sa riposte contre la pandémie. Nous avons souhaité montrer notre solidarité. Pour le coordonnateur national de la riposte contre la COVID-19, ces matériels arrivent à point nommé. Il précise par ailleurs que ces matériels seront répartis dans les grands hôpitaux de N'Djamena et ceux de province. Et reconnaissant pour ce geste, le ministre de la Santé publique salue l'excellence des relations de coopération bilatérales. Je tiens à vous dire que le peuple tchadien n'oubliera jamais cette marque de fraternité qui témoigne de la pertinence de la sagesse populaire selon laquelle on ne reconnaît ses vrais amis que dans le malheur. Les présidents Erdogan et le président Deby ont manœuvré, ils ont tout fait pour que le peuple tchadien et le peuple turc se retrouvent, avancent et continuent ensemble. Vive la solidarité de deux pays, le Tchad et la Turquie. Le second lot de l'assistance de la Turquie est attendu dans les jours qui suivent.